Salut, salut. Alors, je vous prends en voix off, mais je vous reprends en face cam à la fin de la vidéo pour vous expliquer les petits détails de mon DIY. Donc, j'ai fait une étagère de sorcière. Vous voyez que je recycle un carton de coffret de parfum. Donc, vous allez en avoir plein à Noël. Donc, ça sera l'occasion d'utiliser ça comme base. Je vous montre en musique la création de l'étagère et des petites potions. Le reste, j'ai fait beaucoup de la fimo et tout ça, donc je vous explique tout ça à la fin. J'avais fait une belle intro, j'étais maquillée et tout, mais j'ai supprimé mon rush, donc je suis obligée de vous le faire en voix off. Voilà. Donc je vous laisse avec le reste en musique de la création de l'étagère et je vous reprends en face cam pour vous donner plus de détails sur mes petites créations.
Donc voilà, vous voyez que le processus de base, il est assez simple, hein. Donc je vais vous montrer ce que ça donne de plus près et ensuite je vous explique. Voilà. Sur les côtés, j'ai juste mis du washi tape, masking tape. Masking tape. Je crois qu'on peut dire les deux, hein, je ne sais plus, mais bon. Noir pour cacher le Hugo Boss, hein, puisque c'est un coffret que Chérie avait reçu pour son anniversaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me retouche. J'ai collé des petits strass ici, là. Donc ça, c'est une chouette que j'avais commandée une fois, tout comme les petits gugus ici. Ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les petits hérissons et les petites fleurs, champignons, les petites araignées, voilà. Le petit crâne aussi. Donc ici, c'est les flacons que j'ai remplis avec vous, que ça, vous avez vu. Ça, c'est une breloque que Manon m'avait donnée. Ça, c'est des feuilles que je fais en résine. Quand j'ai du surplus de résine, ben, j'utilise tous les petits moules comme ça pour faire justement ce genre de petites choses qui me serviront toujours. Je regarde ça. Alors, j'ai mis des bougies ici et ici. C'est des bougies d'anniversaire qui ont été utilisées et je les ai coupées. Les livres, les parchemins, le livre ici, l'œuf de dragon que j'aime trop. Les petites citrouilles, ça j'ai fait en fimo. Voilà, c'est très simple à faire. Les stickers ici, ce sont donc ceux que j'ai achetés pour faire les potions. Le petit cadre, c'est une petite gugusserie que j'avais achetée également. Un petit strass ici. Alors, ici, j'ai fait une boule de cristal avec un truc avec des petites étoiles brillantes que j'avais sur une petite breloque à accrocher. Et j'ai empilé des. Comment dire? Des breloques, c'est pas vraiment. Il y a une perle dorée, mais argentée, mais le reste, c'est des petites breloques, vous voyez, rondes, plates. J'ai mis un petit bout de tulle ici pour faire un peu l'effet bureau. Le petit balai, et ça, voilà, c'est des petits trucs que j'avais commandé. J'ai mis une petite feuille ici. Et c'est tout. Ah oui, ici, j'ai pris un capuchon d'un produit, hein, une brume, n'importe quoi. J'ai mis de la colle chaude à l'intérieur et j'ai mis tous des petits yeux, vous savez, qui bougent là. Vous trouvez ça chez Action. Par-dessus, j'ai collé un gros strass pour faire comme si c'était une jarre. Et voilà. Derrière, vous avez deux potions que j'ai fait en résine que j'ai collées contre le bazar. Et je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. Voilà. Dites-moi ce que vous vous en pensez, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que ça donne. Je pense que je pourrais m'amuser à en refaire. Parce que voilà, ça m'a vraiment éclaté. J'ai mis la journée à le faire, hein, entre le collage, la fimo et tout ça, plus la peinture de l'étagère et compagnie. J'ai mis la journée à le faire, mais franchement, je pense que je pourrais le refaire. Je pourrais le faire sur plusieurs thèmes aussi, faire que des œufs de dragon, par exemple, une plus petite étagère avec que des œufs de dragon. Et voilà. Au départ, je pensais le faire dans un moule livre comme ça. Donc au départ j'avais fait ça, le moule livre, vous voyez, qui tient debout, hein, ça tient vraiment debout. Et j'ai collé des bâtons de glace coupés à l'intérieur pour faire une étagère. Sauf que si je le faisais dans ce format-là, qui est beaucoup plus petit, hein, vous pouvez aisément le voir par rapport à mon autre étagère, je ne pouvais pas mettre tout ce que j'avais fait. Mais pourquoi pas faire ici, faire qu'avec des œufs de dragon en fimo. Ça peut être sympa. Ouais, je pense que je vais faire ça, en faire plusieurs, de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs. Ah, les filles, t'es trempée! Elle me saute dessus, elle est trempée, elle. Donc, je pense que je vais faire ça là-dessus. Je le ferai en réel slash short. J'ai recommencé à poster un ou deux shorts. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour l'algorithme. Mais voilà. Donc, voilà. Vous aurez ça en réel, de toute façon, Insta, ça, c'est sûr. Et voilà, donc j'espère que ma petite étagère de sorcière vous plaît. Moi j'aime trop, franchement, j'étais très 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 fière du rendu. J'ai vraiment adoré. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Et vous avez vu que c'est assez facile à faire. Soit vous achetez les gugusseries, soit vous amusez. Parce que les petits livres, au départ je voulais les faire en carton. Puis je me suis dit, bon, je vais les faire en fimo vu que j'avais fait les citrouilles et l'œuf. Les petites gugusseries, si vous faites de la fimo, vous pouvez le faire également. Ou faire avec d'autres moyens du bord, quoi. Voilà.
Vous trouvez pas mal de déco aussi, style les araignées et tout ça, pendant la période d'Halloween, dans tous les magasins de bricolage, déstockage et tout ça, genre Action, Jiffy et compagnie. Donc, il y a moyen de trouver des petites gucuseries pas chères pour coller sur vos petites étagères. Voilà. Et en plus, c'est la récup d'un carton, d'un coffret de parfum. Donc, comme c'est bientôt Noël, et ben voilà, je vous donne une idée de recyclage de carton. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis éclatée à la faire. Franchement, c'était vraiment très reposant, très satisfaisant. Donc j'espère que ça vous plaira autant que moi j'ai eu à le faire et à voir le résultat. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Enfin, de toute façon, demain, logiquement, puisqu'on est dans la semaine d'Halloween. Et voilà. Donc bah, écoutez, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas fait. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et en attendant demain, moi, j'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous.